contenu de mon sac pour la saison d'été, en plus d'un avion, au moins un de mes deux petits avions, soit le Dart 250, soit l'Air Mini, quad de 5 pouces, que je vais reconstruire tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai que 3 lipos des 4S1000 pour les avions, et j'en ai 4 pour le quad, ça fait pas beaucoup, mais en général, ça suffit. En hiver, les journées sont assez courtes, on n'a pas le temps de faire 36 000 vols. Peut-être pour l'été, ça va être un peu juste, donc j'en prendrai un peu plus. Et ensuite, le gros morceau que j'ai à transporter, c'est ma boîte avec ma radio, la X12. Ça sent son tour de cou. Dessus, j'ai l'antenne ici. Soit je mets cette antenne souple, qui marche moyennement, qui n'est pas géniale, mais pour la courte distance, ça va très bien. Soit je mets du Niagi. En fait, il y a un dipôle devant avec un réflecteur derrière et ce vis-là. J'ai modifié mon R9M qui est plus dans sa boîte. Il est décarrossé. Donc il est juste dans la baie comme ça me permet de remettre la baie d'origine, pas avoir quelque chose qui dépasse. Et donc je mets la moxon comme ça sur le côté. Ça me permet d'avoir une radio que je peux poser sur le sol sans que ça tape. Et ensuite pour les lunettes, j'ai toujours mes Fat Shark HD1 avec une batterie, deux batteries, trois batteries. Le récepteur, c'est toujours un Diversity TrueDi version 3. Je l'ai acheté à 3.5, mais maintenant on a la version 3.8. Et dessus en antenne, alors j'ai le choix entre j'ai plein d'options. Soit je mets mon canon que j'adore utiliser, qui porte vraiment très loin. Il suffit de, par contre, c'est un peu délicat, il faut viser au bon endroit. Ou alors je peux mettre une patch, petite patch comme ça, dont je suis pas très fan. Ça porte moyen. Alors, une Omni, une grande, et une Omni, une petite. Voilà. Donc je fais un mix de ça. En général, je mets la grande Omni avec le canon par-dessus. Donc en général, je fais ça comme montage. Je mets la grande Omni, je mets le canon. Si je sais que je vais pouvoir voler pas vraiment pas loin, je vais mettre la patch à la place. Et si je veux vraiment garder quelque chose de compact, je mets la toute petite Lollipop Foxeer que je peux replier. Comme ça, je la plie ici et ça me permet de rentrer les lunettes comme ça. Je peux rentrer les lunettes dans la boîte sans avoir besoin de démonter les antennes. Après, les lunettes, je les ai modifiées depuis longtemps. J'ai mis un inter parce que sinon on est toujours en train de tripoter cette prise. La patch elle se range ici. Le canon il se glisse ici. Ici avec des velcros. Donc voilà, ça me permet d'avoir une boîte assez compacte par rapport à la taille de la radio, qui est assez énorme. Et ça se ferme pas, mais bon, comme elle est coincée dans le sac, ça c'est pas gênant. Dans la petite poche, j'ai un chargeur, petit chargeur mobile, qui permet de, des fois, si j'ai des plus gros lipos, charger les petits, avec un adaptateur XT60 vers XT30. Dans une autre poche du sac, je vais mettre les hélices de rechange. J'en ai pour l'avion, j'en ai deux jeux pour le quad, plus celle qui est dessus, ça fait trois. J'ai une trousse à outils que j'ai optimisé au fil des années pour n'emporter que l'essentiel. Une clé de 8 pour démonter les hélices, du scotch, des zips, une petite pince, un couteau multifonction, testeur de batterie au cas où on a un doute, un cordon de charge USB-C, une petite clé Allen, un tournevis multi-embout. Avec des petits embouts dedans, ça évite de transporter 50 outils. Un cordon d'adaptation qui permet de charger mes X12 depuis n'importe quelle tension. Ça doit accepter de 12 à une vingtaine de volts. Et ça, c'est un adaptateur XT30 qui produit du 5 volts sur des prises USB. Donc c'est super commode. On peut prendre un lipo comme ça entre 2S et 4 ou 5S, je crois. Et ça nous sort une prise USB en 5 volts. On peut recharger les caméras, les appareils photo, les téléphones. Voilà, ça remplace largement une banque de une batterie comme ça mobile, parce que ça, il faut, c'est lourd, c'est encombrant, alors que les lipos, on les a déjà, les lipos qui ont fait trois quarts de vol, dans lesquels il reste un peu d'énergie, on en a toujours quelques-uns qui traînent, donc ça peut servir à compléter les batteries.
Et puis après, j'ai une petite boîte à outils avec plein de rechange. Alors, j'ai un récepteur pour les lunettes. Ça, c'est la puce Wi-Fi pour configurer les caméras, les runcams, les Foxeer. Un assortiment de vis et boulons, écrou. Ça, c'est un Vitix de rechange. Deux, trois bricoles, des petites clés, des velcro. Ensuite, puisque la caméra elle est sortie, je peux vous montrer ce que j'ai modifié sur mon Dart 250 depuis les quelques vidéos que j'avais faites de construction. Elle a toujours sa runcam sur l'avant, là, runcam hybride. La batterie est un peu mieux tenue, j'y rajoute un petit velcro pour ne pas la perdre au cas où on vole à l'envers, mais bon, là, elles sont bien coincées, donc ça ne doit pas arriver. J'ai reculé le contrôleur de vol qui est maintenant bien dessous l'aile, il est tout au fond, là. Il est incliné, il est très incliné, il est presque à 20-25 degrés comme ça. Donc j'ai dû le reculer pour faire de la place, pour avoir plus de latitude au niveau de la batterie. Voilà, j'ai changé l'émetteur vidéo qui est ici là, je l'ai mis sous du plastique comme ça on peut voir les LED. Je le contrôle en appuyant sur le bouton comme ça là. J'ai ouvert la prise d'air, parce que là ça va être l'été, ça va commencer à chauffer là-dedans. J'ai ouvert les prises d'air sur l'arrière. Ici j'ai mis une platine de LED. Comment ça va être la belle saison, on va peut-être pouvoir faire des poursuites en fin de journée dans le noir, ça va être sympa. J'ai enlevé le buzzer qui était ici parce que je voulais pas que ça fasse la traînée devant le moteur. Donc j'ai dessoudé le buzzer et je l'ai mis à l'intérieur là-dedans. Voilà, comme ça me fait un avion qui est plus qui reste bien profilé. Toujours sur cet avion, on cherche à avoir quelque chose où il y a très peu de traînée. Il est déjà très efficace et si en plus on n'a rien qui dépasse, c'est encore mieux. Dessous, donc on a le R9 Slim qui est bien à plat. C'est deux antennes, donc c'est des antennes en dipôle en 868. Il y en a une ici, voire d'attaque, et l'autre elle est dans l'aile comme ça, elle traîne comme ça derrière. Pendouille un peu, mais ça c'est pas bien grave. Et l'antenne vidéo elle est dessous, sur le dessous, c'est là où c'est le plus efficace. Et puis je lui ai mis une petite butée en mousse pour éviter de la racler l'atterrissage, mais dans la pratique elle craint pas grand chose. Et ensuite, le gros morceau de l'après-midi, je vais reconstruire mon quad 5 pouces principal, qui est celui-ci, qui est vieillissant. J'ai des problèmes de vibration que j'arrive pas à résoudre. Je soupçonne que le carbone au niveau des bras soit vieux. Il a vraiment des centaines et des centaines de vols. Il y a peut-être des choses qui vibrent. Donc j'ai des problèmes de vibration. Ça n'a pas l'air de venir des moteurs. Donc je vais lui offrir un nouveau châssis. Puis on va voir ce que ça donne. Je vais réorganiser un petit peu les choses. Et donc je vais le monter sur un châssis iFlight DC5HD.